Les jambes parallèles de la largeur des hanches. On s'appuie bien sur les pieds. On s'étire un tout petit peu. Respirez. Soufflez. Et en appuyant le sol, vous allez déjà engager le ventre, même si vous êtes statique. D'accord ? Donc on sent bien les pieds, les orteils, le ventre. Entre les omoplates, la nuque bien longue. On va respirer et faire 4 cercles des épaules, pardon, tout simplement. Et ouvrez bien la poitrine et lâchez. Ouvrez et lâchez. On va étirer les bras là-haut et cercle. Donc d'abord que la respiration, les jambes sont tendues, on étire le haut du corps et on respire. On va laisser les bras le long du corps et on va relâcher un peu la nuque, la tête sur un côté, la tête sur l'autre côté. Engagez toujours le ventre et vous penchez la tête 2 fois. Un côté et l'autre. D'accord ? Revenez au centre et déroulez. On va étirer encore les bras là-haut, entrelacer les doigts de main, étirer là-haut et faites quelquefois les bras derrière les oreilles. Les bras derrière les oreilles et relâchez. C'est pour travailler ici les omoplates. D'accord ? En délissant les omoplates, on revient, on descend les omoplates, on revient et encore une fois, s'encombrer. Donc vous rentrez le ventre et vous serrez les fessiers, d'accord? Et relâchez les bras et soufflez. On écarte un tout petit peu plus les jambes, main au niveau de la taille. Vous étirez bien grand d'un côté et vous penchez un tout petit peu, j'avance un tout petit peu et vous penchez un peu. Et vous insistez 4 en gardant le bassin bien bas. 3, 2 et 1. Et revenez. D'accord ? Et on fait de l'autre côté, étirez. Appuyez bien le pied au sol, le bassin bien bas. 4, 3, 2. Et lâchez. Petite préparation pour le dos, jambes parallèles. Appuyez-vous sur le bas. Projection de la poitrine en avant. Projette. Et 4 fois. Dos rond. Respire. Dos rond. Respire. Quand vous faites dos rond, vous rentrez bien le ventre. D'accord ? Et étirez le bas du dos. Et étire, dos rond, gardez le dos rond et on va vers le bas. Et vous restez en bas. Vous restez en bas, comptez 4. Lâchez la tête. 4, 3. Restez toujours en bas. On va soulever, on va allonger les jambes et plier 3 fois. Tête en bas. Allonge. Reste. Plie. Allonge, reste, plié. Allonge, reste, plié. Restez dans le plié et déroulez lentement, lentement, lentement. D'accord ? Un petit échauffement au démarrage. Là, nous allons prendre le
le bâton. Et vous appuyez le bâton devant vous. D'accord? Et on va d'abord à nouveau chercher toujours dans les cours, je pense à cette verticalité qui commence par un travail des jambes. Vous appuyez les pieds au sol, vous engagez les muscles des cuisses fessiers, vous rentrez le ventre, entre les omoplates, ça monte et tout le corps est déjà tonique avant de bouger. Ok? On continue à bouger, mais on lâche rien. Donc, on va monter, on serre le fessier et on descend. D'accord? 8 fois, on fait 1, pause, 2, pause, 3, pause. Sans lâcher le dos. D'accord? La poitrine bien ouverte, fessier contracté, 5, 6, 7, 8. Posez. D'accord? Vous avez les jambes parallèles. Maintenant, on va travailler un peu le fessier pour amener les talons au centre. Par le fessier, vous prenez bien le haut du fessier et vous englobez les jambes. Et on va faire 8 fois ce petit twist au sol. Ok? Englobez le haut des cuisses, serrez le fessier et intérieur des jambes. Et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6, fessier 7, toujours le ventre, le dos, 8. Et on va garder les jambes un peu proches l'une de l'autre, pas besoin de garder les talons proches, mais les orteils sont un peu sur le côté. On engage le fessier. On rentre le ventre, on étire le dos et on va monter et descendre. Quand vous descendez, imaginez que vos talons sont amenés devant. Ça va créer une tonicité ici à l'intérieur des cuisses. D'accord? Donc, vous montez et à la descente, c'est comme si les talons venaient à l'avant, même s'ils ne bougent pas. Ok? Et 8. Donc, monte, talon devant pour sentir bien. Fessier. 2, talons devant. Ça va chauffer les jambes. 3, talons devant. Et on garde le fessier. 4, talons devant. Encore. 5, talons devant. 6, talons devant. 7, talons. 8, talons. Relâchez un peu les jambes et si besoin, vous étirez un peu le mollet d'une jambe derrière. Et de l'autre jambe derrière. Ok? On reprend ce travail et on va faire plier. Ici, vous écartez un peu plus les pieds. Donc, toujours les pieds qui poussent, toujours les jambes fessiers, toujours le ventre et le dos vers le haut. On garde le dos vers le haut, on garde le ventre et on écarte les genoux. Mais on ne descend pas le dos. D'accord? Donc, on écarte en gardant le dos là-haut, on monte et on serre le fessier. Essayez de garder le bassin ouvert devant sans amener le bassin derrière et sans relâcher le dos. Ok? Et c'est parti pour 8. Et rentrez le ventre tendu, serrez le fessier. Et 2. Et fesses. Toujours. Ventre. Et fesses. D'accord? 4. Poussez. 5. Poussez. Grandissez-vous. 6. Montez, montez, montez. 7. Poussez, poussez bien le sol. 8. Allongez-vous. Restez en bas. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, tendu, serré le fessier et relâchez un tout petit peu les jambes, bougez un tout petit peu. Ok? On reprend. Vous avez la repoussée du sol avec le fessier bien contracté, ventre tout là-haut. Vous allez plier
1 et 2. Décolle. 3 et 4. Serre le fessier, monte là-haut et descend comme si le corps était en train de s'étirer là-haut. Donc, on ne relâche pas. Et 1, 2 et 3, 4 et pousse. Pousse et long talon toujours devant. Et on fait. Et 1, 2, décolle. Et monte. Fessier, reste. Encore deux fois, plié, décolle, et monte, descend lentement, dernière fois, garde le ventre, décolle les talons, serre le fessier, garde ton dos là-haut, et descend. On va faire dans l'autre sens, on monte, on rentre le ventre, on écarte les genoux. On pose les talons et on serre le fessier et on monte. Et plie. Et pose. Et serre fessier, montez. Troisième fois. Plie. Talons. Et dernière fois, on monte là-haut. On fait le tout. Plier. Talons. Serrer. On va finir là-haut. On reste là-haut. On reste, on rentre le ventre, on serre le fessier, on touche le plafond avec l'autre sommet du crâne et on relâche. Et on bouge un tout petit peu les jambes. Ok? Super. Alors, ici, on va garder le bâton un tout petit peu d'un côté. Donc, de la même façon qu'on a monté sur les deux jambes, on va essayer de monter sur une jambe. Mais monter le corps, pas tout de suite monter sur les orteils. Donc on monte le corps, ça veut dire que nous sommes sur une jambe, le fessier est bien engagé, le bassin n'est pas derrière, il est en avant, ventre, poitrine ouverte. Et puis là, tout simple, montez sans, mais assez rapide, pensez que cette jambe, elle va loin. Loin, loin. Et on rentre le ventre. Et on pousse le sol. Et on grandit le dos. Encore. 4, 3, 2, 1. Posez. Respirez. Et on refait. D'accord? Poussez le sol. Serrez le fessier. Rentrez le ventre. Montez. Et la jambe loin. Et monte. 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 Le fessier du bas monte, 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 respire, 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 et 4, 3, ventre, 2, 1, et relâche, relâche un tout petit peu, la même jambe, on monte, et on maintient, 6, 5, 4, 3, et on tire, 2, et on tire, 1, et on pousse, et on relâche un tout petit peu, et on change de côté. Donc là, on pousse le sol, on engage le fessier de la jambe du bas, ventre, poitrine, et on s'étire. La jambe va loin, vers les pieds, d'accord? Donc pas ça, mais loin. Et 1, et 2, respire. Toujours respirez, toujours grandissez-vous, toujours appuyez-vous bien sur le pied. 3, 2, 1. Posez, respire et on repart. Et loin, 1, 2, grand, grand, bien allonger la jambe, bien sur le sol, bien le ventre. 2, posez, respire, et la dernière fois, on reste en équilibre, 6, et 1, et 2, et loin, et 4, 5, 6, et on pose, et on relâche un tout petit peu, super. Donc, on commence à sentir un peu nos fessiers, et on va travailler avec une jambe derrière. Quand on fait jambe derrière,
Il faut faire attention au dos parce que ça ne vaut pas la peine de trop monter la jambe et cambrer le dos. Donc, vous pensez toujours que ça commence par le ventre rentré. Vous essayez de faire une ligne droite entre le pied et la tête. D'abord, voyez jusqu'où vous pouvez monter la jambe sans affecter votre dos. Et on pose et on monte. La seule chose, c'est qu'on va essayer de ne pas garder la jambe sur le côté et la croiser au max. Pas complètement, mais un peu derrière le pied d'appui. OK ? Et on y va. Et on monte. Et c'est lent. On garde le fessier, fessier, pose. Garde, gardez, pose. D'accord ? Garde. Et garde. Toujours. Monte. Et ventre. Toujours comme s'il avait une ficelle attachée au fessier. Ça monte par le fessier. Et on pose. Là, on va arrondir le dos. Relâchez. Écrivez un peu. Relâchez. Revenez. On change de jambe. L'autre jambe. Donc, je fais comme ça. On pousse le sol. On rentre le ventre. On s'allonge. On vérifie cette jambe jusqu'où elle peut monter. Et on monte. Et on reste un peu là-haut. Monte, reste, descend. Monte, reste, descend. Monte, reste, descend. Respire. Pousse le sol. Grandis le dos. Remonte le ventre. 4. Et monte. Et 3. Et 4. Et on relâche. Dos rond. On rentre le ventre. On arrondit bien le bas du dos. OK. On reprend un peu la jambe derrière. Et vous allez passer la jambe du côté, derrière, vers le haut. Et elle croise. Donc, ça va faire croise, haut, descend. D'accord ? Monte, croise, monte, descend parallèle. OK, on y va. Trois quarts, monte, croise, monte, descend parallèle, rentre le ventre. Et ventre. Voilà, on garde le fessier. On garde le fessier. Encore. 4. Et toujours le ventre. Hein? Poussez bien le sol avec la jambe d'appui. 2 fois. Dernière fois. Relâche. Relâche un tout petit peu. On va faire un équilibre avec cette jambe vers derrière. Et équilibre. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descend, relâche. Ok, on fait l'autre jambe. D'abord le croisé. Donc, la jambe part parallèle. Elle monte, elle croise, remonte, descend. Et à chaque fois, le ventre. D'accord ? Et c'est parti. Et... Et encore. Ventre, 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 ventre. Allongez bien la jambe derrière et poussez bien le sol. Donc, tonicité de la cuisse du bas, fessier du haut, ventre. Dos, on fait encore une fois, on relâche un peu et équilibre derrière. 8, 7, 6, 5,
4, fessier, 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 ça monte, ça monte, ça monte. 2, 1, et on relâche. Là, on va bien rondir le dos. Donc, vous êtes devant votre bâton. Vous pliez les genoux. Vous rentrez bien le ventre. Vous laissez le dos bien descendre, bien descendre. Attendez 4, 3, 2, 1 et remontez. Ici, on va faire un petit travail pour le haut du dos, pour les omoplates, qu'on aimerait que les omoplates ils puissent aller en arrière un tout petit peu. C'est comme si on était appuyé sur un mur invisible. Donc, on essaye de chercher les omoplates contre un mur invisible, ça permet d'ouvrir la poitrine. Donc, avec le bâton, quand on fait ça, on va veiller à que la poitrine soit ouverte. Et quand on va descendre le bâton, au niveau des omoplates, on cherche que le muscle du dos tire les omoplates vers le bas. Et après, on ne lâche plus. Donc après, gardez l'ouverture. OK ? 8. Et derrière, sentez les muscles du dos qui tirent vers le bas. Les muscles du dos qui tirent les omoplates vers le bas. Les muscles du dos, toujours. S'encombrer. Donc, pour ne pas cambrer, c'est le ventre et le fessier. Gardez ventre fessier. D'accord ? Pour protéger le dos. Encore 3. Et 2. Et 1. Gardez le bâton derrière. Et respirez. Gonflez la poitrine devant 2 fois. Grande inspire. Maintenez le dos actif. Relâchez sans lâcher le dos. Relâchez la respiration. Soufflez. Inspirez, gonflez. Et soufflez. D'accord ? D'ici, vous êtes en plié. Bassin. Comptez. On va essayer de garder seulement le dos bien parallèle au sol. Les 4 tendus pliés. Donc, tend, sans bouger le dos, et plie, c'est le bassin, et tend, sans bouger le dos, et plie, le bassin, pointe, tend, et plie, dernière fois, tend, plie, d'accord? On peut rester dans le plié, et on va passer le bras devant. 5 fois lent, repliez, revenez derrière le bâton. Et loin, plie, respire. Loin, plie, respire. Loin, plie, respire. Loin, plie, respire. Loin, reste loin. 4, 3, 2, et relâchez vers le bas. 2 secondes, relâchez la tête, relâchez le dos, relâchez les épaules, genoux pliés, déroulez. Ok, très bien. Alors, on va laisser le bâton sur le côté. On fait une fois un peu les mouvements qu'on vient de faire, mais sans le bâton, quelques-uns, en train de toujours sentir que vous poussez le sol, fessier, ventre, dos vers le haut, et on va faire 4 pieds tendus seulement. Gardez le ventre, grandissez votre dos, les genoux bien sur le côté, tendu, serrez le fessier. Ventre, 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 les omoplates vers le bas, serrez le fessier. Gonflez la poitrine, ne cambre pas, serrez le fessier et souffle. Et tend et relâche. Ok, on relâche un tout petit peu la tête, les épaules
et on passe sur le tapis. D'abord, vous allez venir vous asseoir, s'il vous plaît. D'abord assis, encore avant de vous allonger. Donc, assis, vous pouvez être soit vers votre tapis, soit sur le parquet, par exemple. Je vous montre un peu de trois quarts pour voir un peu le dos. Donc ici, on va faire quelques exercices de ventre, des fessiers, avec le dos droit. Donc l'idée d'abord, c'est de mobiliser un peu, assouplir un peu le bassin. Donc vous posez les mains sur le sol et d'abord, vous poussez le sol pour aider le dos à rester droit. Et ici, vous collez les genoux, on active l'intérieur des cuisses et quatre fois, tout simplement, vous allongez les jambes, serrez le fessier, flex, allonge, plie contre le ventre. Quatre, allonge, fessier, allonge, rentre le ventre, allonge, fessier, allonge, rentre le ventre. Quatrième, fessier, allonge, rentre le ventre. Sans le bras. Et sans lâcher le dos, tournez bien ce bassin, ne laissez pas enrouler, tournez le bassin. Quatre fois, collez les genoux, allonge, contracte les fessiers, allonge, rentre le ventre, loin, flex, loin, replie, loin, serre le fessier, loin, replie. Dernière fois, loin, repli. Posez les mains et grandissez-vous. Et puis, on va faire les derniers quatre avec les bras qui montent et ouvrent, qui montent et ouvrent. D'accord? Donc, vous êtes droite. On respire. Les bras là-haut. Donc, on va étirer. Étirez-vous. Et plie. Rentrez le vent. Et tirez le dos. Oh la vache. Et je vais vous coller en plus. Je vais vous coller où on s'étire. C'est pour ça qu'il faut que ça soit un peu long. Étirez, étirez, étirez. Ne lâchez pas le dos. Posez les mains. Respire, 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 respire. Allonge. Le dos sur le jambe. Les jambes sont pliées. Reste trois en bas. Un, deux, trois. D'accord? J'aimerais vous montrer une toute petite chose qui est comment travailler le fessier quand on bouge la jambe. Quand on bouge la jambe de position. Donc, on a jambes parallèles et on va faire quatre exercices là-dessus. On a les jambes parallèles. Posez les mains. Poussez le pied. Un talon. Quand vous allez amener ces orteils vers l'extérieur, on aimerait serrer le fessier. Et c'est comme si on crée un petit coussin en bas et du coup le dos monte. Donc on va faire quatre fois, j'aimerais voir si on arrive à sentir ça. On grandit et on va tourner, d'accord? Ça fait un mouvement comme ça. D'accord? Mais à chaque fois on serre le fessier, on serre. Relâche. On serre le haut, bien le haut, d'accord? On serre. Relâche. On serre. Relâche. Relâchez un peu le pied. Et on va faire un cercle des pieds et à chaque fois, essayez de bien sentir le fessier. Vous allez faire comme ça. Ouvrez les pieds, serrez le fessier. Allongez le pied, maintenez le fessier. Allongez parallèle et flex. Ventre. Ok, on fait. Deuxième fois. Fesses. Fesses. Ventre. Ventre. C'est pas si séparé que ça, mais ici, il a plus de ventre. Ici aussi. Et là, dans l'ouverture, il a plus de fessiers. On fait encore une dernière fois. Et ventre. Fesses. 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 Et relâche. On relâche encore une fois. Devant, et vous allez tirer un tout petit peu, forcer un tout petit peu sans vous blesser.
quatre fois pour que le dos descende le plus possible. On souffle. Soufflez. Et souffle. Et soufflez. Relâchez bien la tête. Déroulez. Très bien. Et on va passer un peu sur le tapis. Ça va nous faire un grand bien. Donc, descendez le dos tranquillement, tranquillement, tranquillement. Première chose, détendre un tout petit peu le dos, quelques instants. Pour ça, amenez une jambe, l'autre. Balancez un tout petit peu les deux, les jambes, droite et gauche. Et après, desserre les genoux. Deux, trois, quatre. L'autre côté, un, deux, trois, quatre. Gardez les jambes pliées, amenez bien les genoux vers vous et quatre fois soufflez en amenant bien le genou vers vous. Chassez tout l'air. Et lâche. Et étirez un peu le bas du dos. Et relâche. Dernière fois. Un tout petit peu rester. On va allonger un peu les jambes. Les deux. Un tout petit peu écarté. On respire. On respire. On allonge les pieds. Et on amène ces deux jambes quatre fois vers nous en chassant l'air de la poitrine. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. On plie les jambes, on pose un pied et l'autre. Et on étire les bras. On étire les bras. Descendez les bras le long du corps. Et on va faire un abdos plus simple, tout simplement. Mais j'aimerais que vous puissiez sentir aussi les fessiers engagés. Donc, vous allez créer une légère poussée des pieds pour sentir un peu les cuisses fessiers. Le bassin est un peu en rétroversion. Donc ici, c'est actif. On pose les mains derrière le crâne. Souvenez-vous, hein, qu'on tire un tout petit peu, on allonge le cou. Okay. On inspire avant de soulever la tête. Vous allez souffler et vider l'air de la poitrine, des côtes. Et après, vous montez la tête et vous gardez le ventre creux. Dans la descente, maintenez le ventre creux tout le long. Posez la tête et inspirez. Ok, on y va. Soufflez, videz poitrine, côtes. Engagez le bas-ventre. Gardez le bas-ventre. Déroulez le dos, déroulez le dos. Inspirez, soufflez, videz l'air, poitrine, côte. Engagez le bas-ventre, maintenez, descendez, descendez. Inspirez et soufflez. Gardez le ventre creux, descendez en allongeant votre colonne vertébrale et soufflez. Maintenez le ventre creux, descendez lentement, inspire, souffle. Gardez le ventre creux, allongez le dos, inspire, souffle. On fait encore quatre fois lentement comme ça, d'accord? Inspire, souffle, videz bien l'air de la poitrine, des côtes, ventre, descendez. Trois fois encore et souffle. Le bas du dos bien collé au sol, deux fois, bas du dos bien collé au sol. Le nombril vers le dos, dernière fois, souffle. Reposez, inspirez, on va rester en équilibre huit fois, on monte la tête et on reste. Un, deux, trois, quatre, cinq. On absorbe bien le vent. 7, 8,
et on descend sans lâcher le ventre. Le ventre reste creux dans le corps et on respire un tout petit peu. Alors, on va laisser la tête un peu au sol et les bras allongés. Jambes tendues, collées l'une à l'autre. Et ici, déjà, vous allez serrer un peu le fessier. Sentez si vous pouvez ouvrir le bassin devant. Pas relâcher, poussez le fessier. Presque comme si on allait décoller du sol, mais on ne décolle pas. Mais on serre le fessier, d'accord? Les bras sont en V là-haut. Vous allez seulement 6 fois amener les mains derrière la jambe et la jambe reste pliée, allongée. Attention, on ne va pas cambrer. On rentre le ventre, d'accord? Et on fait 1, allongé sans cambrer. Et 2, allongé sans cambrer. Et 3, baissez bien les côtes. 4, baissez bien les côtes. 5, baissez les côtes. Et 6, baissez les côtes. Donc l'idée ici, c'est que même si on est allongé les bras vers le haut, on a une force qui descend les lombaires au sol. On refait en soulevant la tête et on essaie de bien coller ici le bas du dos au sol. On creuse. Et 1, gardez la tête soulevée. Et monte. Et 2, regardez le nombril. Et 3, et 4, et 5, jusqu'à 8, 6, et 7, et 8, gardez les côtes baissées, descendez le haut du dos, posez la tête, relâchez un tout petit peu, respirez. On va poser les pieds au sol, les mains sous le fessier et on soulève une jambe et l'autre. D'accord? Ici, on va retravailler ses jambes dans l'ouverture en dehors. Donc, faites 3 fois cette rotation du haut de la cuisse, d'accord? Pour bouger, les pieds ne sont pas parallèles. Donc, on garde les jambes en dehors, talon contre talon, et on croise 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre pas trop pour travailler à l'intérieur des cuisses, 1, 2, 3, 4, et on croise à nouveau 8, et on ouvre 4, et on fait 3 séries. Donc, rotation en dehors, tête au sol. Ventre rentré et croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouvert. 1, 2, 3, 4. Et croise, 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 croise. 5, 7, 8. Et ouvre. 2, 3, 4. Et croise. 5, 6, 7, 8. Et ouvre. Croise encore. Et ouvre. Et reste. Et lâche un tout petit peu. Et monte. On va faire seulement plus rapide dans le sens qu'il y aura moins de répétitions. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, ouvre 2. 1, 2, 3, 4, ouvre 2. Ok, 4 séries. Et c'est parti. Et croise, 2, 3, 4, et ouvre. Et croise, 2, 3, 4. Et ouvre. Et ventre bien rentré et ouvre. Et les côtes bien baissées, on ouvre. Et on fait une pause et on relâche un tout petit peu les jambes. On respire. On reprend un tout petit peu la tête qui va se soulever. Et on va faire. On baisse les côtes. On soulève. Une jambe avec la tête et on descend la jambe tendue vers le bas, fessier contracté, l'autre fessier aussi peut se contracter.
Et souffle. Allonge. Et souffle. Allonge. Allongez le cou. Et souffle. Allonge. Collez les lombaires au sol. Souffle. Allonge. Serre le fessier. Et souffle. Allonge. Et souffle. Allonge. Pose. Changez de jambe. Et l'autre jambe. Et souffle. Allonge. Et deux. Et gardez bien le côte bien baissé. Sentez vos fessiers aussi, même de la jambe qui est pliée, la jambe qui est statique, d'accord? Respirez. Et sept. Et huit. Et posez la tête au sol. Restez. On va faire qu'une fois ce mouvement. On enchaîne les bras le long du corps en V, position V. Poussez le sol avec vos pieds. Tonicité des cuisses, contraction de fessiers. On replace le bassin en rétroversion. On monte. Un pont, n'est-ce pas? On va faire que deux fois. On connaît bien ça. Et après, on va évoluer directement. On descend lentement. Et on décompose le mouvement. Ici, le ventre, le nombril, va dans le sol, dans le dos, derrière la taille. Regardez ce ventre bien creux. Une deuxième et dernière fois, on monte. Gardez les côtes baissées. Fessiers, on descend lentement. D'accord. Ici, on va faire directement sur une seule jambe. Donc, on monte d'abord. Et on va garder d'abord la jambe pliée. OK. Donc, on va descendre 8 fois. Monter. Descendre. Monter. Serre bien le fessier. Descendre, respire et monte. Descendre, respire et monte. Descendre. Monte, serre bien le fessier. Descends. Monte. Deux fois encore. Monte. Dernière fois, on fait un arrêt là-haut. Monte, attends. On ne va pas descendre tout de suite. On attend un tout petit peu. On allonge la jambe. On respire. On descend la jambe en direction du genou. Respire, respire. Et posez ce pied au sol. Vous êtes dans le pont. Respirez. On enchaîne l'autre jambe. Sans descendre au sol si possible. Genou plié. On fait 8 descentes et montées. On descend, le bassin frôle le sol à peine et on monte. Descend, 2. Entre le ventre, serre bien le fessier. Et 3. Monte. Contrôle bien le mouvement. Maîtrise bien ton énergie. Ventre. Respire, fessier, 5, monte, 6, monte, ventre, et reste en haut, continue à travailler ton fessier, la jambe tend vers le plafond. On respire, la jambe bien longue, 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 elle descend au niveau du genou. On va poser le pied, garder le bassin en hauteur et descendre lentement, 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 lentement. D'accord? Respirez, on va arrondir à nouveau.
Soulevez la tête, arrondissez le dos. Posez la tête et respirez. Avec la tête soulevée, on va amener une jambe tendue assez bas et garder l'autre jambe assez haute vers vous. Et vous regardez le nombril maintenant. On fait deux fois une jambe, deux fois l'autre, et huit, et un, deux, et deux, deux, et trois, deux, et quatre, deux, et cinq, deux, et six, deux, et sept, deux, et huit. Faites une petite pause, tête au sol. Respirez. On soulève la tête. On soulève une jambe. Et on descend l'autre. On fait 8 fois d'abord pour étirer la jambe. Et pour essayer de bien s'installer sur les lombaires. Et on regarde le ventre. Le pied du sol ne touche pas le sol. 8. 2. 3, ventre. On absorbe bien le ventre. Respirez. Respirez. Allongez bien vos jambes jusqu'aux orteils, comme si on allait toucher le mur, loin. Et 8, et rapide 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là-haut, on pose la tête et on relâche un peu les jambes. Alors ici, on va étirer tout le corps un tout petit peu. On allonge, on étire bras et jambes et on relâche. D'accord ? On va faire un mouvement qui est le suivant. Vous allez d'abord, soulevez une jambe et vous allez changer de position. D'abord, la jambe vient en haut. Après, la même jambe, vous allez vous placer sur le côté et elle va venir sur le petit. D'accord ? Après, la même jambe, vous allez tourner sur le ventre. Il va venir derrière et on fait le même chemin. Côté. Et après, même chemin devant. Chaque fois, c'est 8. OK ? On se colle bien au sol. On tend bien les jambes. Et c'est parti. Et lance. Et 2. La jambe du haut, elle peut être lancée. La jambe du bas, elle est collée au sol. Le fessier du bas est bien contracté. Et 7. Et 8, on change. Et 1. Et 2. Donc on change par le ventre, d'accord ? 3. On se grandit. 4. Le ventre est toujours là. 5. 6. 7. Préparez-vous, rentrez le ventre. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, on fait le chemin de retour, côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ventre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pose un tout petit peu. Selon l'espace que vous avez, vous pouvez tourner vers l'autre côté ou sinon, vous changez la tête et vous faites la même chose avec l'autre jambe. OK ? Donc, devant, côté, derrière, côté, devant.
Coller le fessier, coller la jambe au sol, on rentre le ventre, on pousse le sol avec les mains, on allonge les jambes et c'est parti là-haut. Et souffle. Deux. Allonge la jambe. Quatre. Et respire. Et sept. On rentre le ventre, on tourne. Et un. Deux, trois, et on rentre toujours le ventre, on pense à grandir le dos, derrière la nuque, et les jambes, sept, et huit, on tourne, et un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, côté, et un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on s'étire un tout petit peu. Pliez les jambes, amenez les jambes vers vous. On respire un peu. On fait un étirement, un tout petit peu pour le fessier, après on va changer. Donc, tout simplement, jambes croisées. On colle le dos. Et on essaie de laisser le bassin, les deux crêtes iliaques au même niveau. C'est-à-dire qu'une partie ne descend pas plus que l'autre. On garde ici et on va chercher la jambe du bas, soit par le tibia, soit par derrière la cuisse, comme c'est le plus confortable pour vous. On respire quatre fois. On relâche les épaules. La jambe du bas qui est pliée, vous allez la développer en haut et vous allez la chercher au niveau du mollet. D'accord? Ça va amener toutes vos jambes vers la poitrine, ça va étirer davantage le fessier. Super! On relâche et on fait avec l'autre jambe. Donc, les deux côtés du bassin, la même hauteur. On va chercher la jambe du bas. On respire quatre fois. Et on va soulever la jambe du bas, on va chercher au niveau du mollet. Et on plie cette jambe. Ok, très bien. On pose les pieds, on va rouler sur le côté. Et on va venir à la position quatre pattes. On va faire encore quelques étirements. Donc ici, vous êtes à quatre pattes, on peut étirer une fois le dos. On ne va pas rester longtemps ici, mais on peut respirer trois fois. La tête bien détendue. Et expirez dans le dos, dernière fois. Relâchez les bras, les mains viennent près des genoux et on déroule le dos. D'accord? Maintenant, vous êtes agenouillé ici. Donc, on va étirer maintenant un peu le devant des cuisses avec une jambe pliée devant
Et ici, attention, il faut qu'on aille vraiment selon notre morphologie. L'idée, c'est que le bassin n'est jamais derrière. Et cette partie devant, on veut l'allonger. Donc, d'abord, c'est étirement. On amène le bassin en avant. Okay? Après, on descend. Et le dos, il reste vers le haut. Il n'avance pas vers la jambe. Et on compte 4. Et on laisse étirer. 2, 3, 4. On va revenir, on pousse par le pied. On respire, on change de jambe, l'autre jambe. On se souvient pareil du bassin qui va s'ouvrir devant. Et le bassin avance, le genou se plie. Et je reste 4, 3, 2, 1. On va refaire encore une jambe l'autre. On va voir s'il y a une différence la deuxième fois. Donc, première jambe. Bassin ouvert. On avance le bassin, on descend, et on laisse étirer, et 3, et 4, on pousse le sol avec notre pied, on engage le ventre, on change de jambe, on engage le bassin en avant, on plie, on descend. Et on revient, d'accord? Puis ici, vous allez vous asseoir un tout petit peu, un peu sombre, la prochaine fois j'allumerai un peu plus. Vous écartez vos genoux, ok? Vous êtes bien assise sur les talons. On va faire un étirement un peu des cuisses et un peu du haut de la poitrine. Il faut aller vraiment très lentement parce que rien ne se passe au niveau du dos. C'est vraiment que la poitrine. Donc, vous pouvez poser les mains sur le sol et vous gonflez la poitrine vers le haut. Et vous faites gonfler. D'accord? Relâchez. Encore deux fois. Grandissez-vous. Gonflez la poitrine. Et lâchez. Dernière fois. Et lâchez. Sachez qu'il y a une version plus difficile que certaines peut-être pourraient le faire, qui est de vous appuyer soit sur les talons, soit le pied, bien allonger le devant de la cuisse, ouvrir le bassin devant, aimanter le bassin et aligner le dos, d'accord, et la tête. Ça demande beaucoup plus, hein, donc on est informé, mais on fera ça peut-être une autre fois, d'accord. Alors, on s'assoit face à face, j'allume quand même un tout petit peu ici, si je trouve, pardon, et nous sommes assis. Pour finir là. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, ici, donc toujours cette idée que nous sommes bien sur le bassin, jamais sur le dos. Donc, on tient ici les jambes pour faire une petite traction. D'accord? Voilà. Ok. Puis, on va allonger une jambe, soit le genou près du pied, pour s'étirer. Quand vous étirez le dos vers le haut, vous allongez la jambe loin. D'accord? Donc, c'est les deux qui s'étirent. On respire. Et on va pencher un peu d'un côté de l'autre. Donc, main au sol. On gonfle la poitrine déjà. On essaie de grandir le dos. Et après, on va pencher. Quand on penche, l'idée, c'est que le bassin et le fessier
Reste au sol, là. Reste au sol. Ça ne vient pas avec. On a envie de que tout vienne maintenant. Et reste. Et on reste. On peut poser les coudes. Et on ouvre bien le côté, les côtes. On relâche devant. On revient. Et on fait l'autre côté, bras. On monte, on gonfle la poitrine déjà là-haut. Et on penche. Ici, c'est moins, hein, parce qu'il a la jambe tendue. Donc, on va moins bas. Mais on ouvre bien ce côté. On relâche. Et on revient. Et on change de jambe. Et on change. Et on se grandit avec la jambe. Et on change le bras. On va pas loin. D'abord vers la jambe pliée, on monte, on gonfle la poitrine déjà là-haut, on descend le bras et en essayant de garder bien le fessier au sol, j'essaye de poser mon coude par terre et j'ouvre mon corps latéralement. On respire un peu et je roule devant. Je roule devant. On s'étire. On va faire maintenant vers la jambe tendue. Donc, on gonfle la poitrine, on inspire, on monte. On descend un tout petit peu sur ce côté en sachant qu'on va descendre moins. Mais on va bien respirer et à ouvrir ce côté. Et on remonte. Maintenant, on va allonger les deux jambes. On bouge un tout petit peu les genoux. D'abord, on va enrouler le dos une seule fois devant. Donc, main, main. Faites attention que les jambes ne tournent pas en dedans comme ça, parce que ça va fermer ici. Donc, essayez de garder les jambes telles qu'elles sont. D'abord, vous avancez avec les mains. On essaie de bien s'asseoir sur les fessiers jusqu'à ce que les deux bras soit bien tendu. Quand ils sont bien tendus, votre dos commence à s'étirer, légèrement arrondi, et vous allez pencher la tête. Penchez et comptez 4. Restez 3. Restez 2. Restez 1. Déroulez, déroulez, déroulez. Et étirez le dos. On a encore 2 étirements à faire, une jambe et l'autre, donc ça fait 4. On s'étire. Maintenant, on va allonger bien les jambes à nouveau. D'accord ? On va comme ça allonger sur un côté. Donc, on n'est pas face à la jambe, on est côté. D'accord ? Donc, on rentre la taille. Cette taille, elle monte comme ça. Et je descends comme je peux. Ou pas, c'est pas grave, mais je prends la latérale, d'accord? J'amène le bras là-haut et ce bras va faire une ligne par rapport à mon bassin. Okay. On respire. On respire. Ce qui se passe avec la respiration, c'est que parfois, le corps commence à lâcher quelque chose. Une résistance, une tension, ou simplement le muscle commence à s'habituer et on arrive, mais sans forcer, hein, c'est le souffle qui lâche quelque chose. On va remonter par le haut, le bras monte et on se recentre, le dos bien grand. J'ai entendu, on va faire de l'autre côté. Donc pareil, c'est comme si on allait s'allonger sur le dos. La taille rentre ici. On essaie de faire latéral. On ouvre le bas, bras sur le côté et on va le monter. Le monter. On essaie d'approcher le bras de l'oreille pour faire une ligne avec le bassin. Et on va respirer et on va surtout souffler. Et on relâche la nuque. Et on relâche. Et
On va monter par la main du haut. Et on respire. D'accord ? Donc, on a fait le premier. Il y a encore le deuxième qui est encore d'un côté de l'autre, sauf qu'un bras va rester face. Parce que là, pareil, vous avez côté, mais avec un bras face. Et donc, on va enlever presque la résistance de ce bras, donc on le place devant. Vous êtes droite, vous placez un bras devant, vous montez et vous pensez que cette épaule commence à descendre. Voilà, exactement. On garde les deux jambes tendues. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas céder à la tentation de regarder le sol, de rester bien latéral. Et peut-être, avec le souffle, on arriverait à descendre un peu. On respire. Et en fait, c'est surtout ici le côté lombaire latéral qui s'allonge beaucoup. On remonte. On respire et on fait la dernière fois l'autre côté. Donc, ce bras descend, on relâche bien l'épaule. On respire, on gonfle la poitrine ici. On va latéralement. D'abord, on attend. On respire. Et avec le souffle, on souffle. Ajustez le bras du bas pour donner l'espace. Et souffle, lâchez, remontez par le bras, et voilà, on respire.